messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs les maires, qui sont au cimetière de la Légion étrangère, aujourd'hui s'en aller. Une catastrophe affective d'abord parce que c'est une partie de nos traditions. Ça fait 46 ans que le régiment est là et moi je réfléchis que j'avais fait 28 Cameroun. C'est une tradition, ça fait partie de notre âme. Mais on nous enlève quelque chose qui est irremplaçable. Les 900 salaires qui s'en vont, économiquement, ça pèse. Pourquoi dégage-t-on une dizaine de milliers de militaires aujourd'hui et embauche-t-on 60 000 professeurs alors que nous avons 100 000 professeurs de plus que l'Allemagne et que l'Angleterre qui ont le même nombre d'élèves que nous? C'est tout un circuit économique. Maintenant, ils sont des femmes, des enfants qui sont bien élevés. Vraiment, c'est énorme. C'est une très grosse perte, moralement, physiquement, c'est énorme. Il y a quand même d'autres sujets qui attirent un déficit économique dans toutes les villes de France, qu'une légion qui s'en va. Pour moi, c'est quand même pas une légion au sein d'une ville qui fait vivre la France et qui fait vivre un département et une ville.